Bonjour les gens. Bonjour. Il dit bonjour. Bonjour les gens. Aujourd'hui on est à Abattache. Un petit site. On vous dira pas où c'est. Et on vient pour enlever ça. Et enlever ça. Hein, Molinich? Oui. Après on dit que Dom il taille brut. Non, c'est pas toi ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité là. C'est clair. Non, c'est pas le monsieur hein, qui a fait faire ça, c'est... Avant. C'est avant. Je pense qu'ils ont été... Enfin, pour le coup, ETT. Hein. Pour ETT, pour sûrement éviter le bâtiment. Le problème, c'est qu'il aurait fallu finir de les mettre par terre. Ouais, bah, fait, quand on arrive à ce stade-là, bon, et finis-les. Hein. Le plus dur est fait, le plus compliqué est fait. Il te reste plus que la bâtache. Alors, bien sûr, ça penche violent sur le bâtiment. Et moi je suis monté. Et jusque-là, eh bien, ça secoue, secoue. Et là-bas, je pense que ça va secouer, secouer encore plus. Je pense qu'il est encore, encore plus mort. Petite vidéo, vite fait, bien fait, sur un abattage. Au secours. Ils sont cons. Ah, montre ta prédation à la caméra. Ah, attention. Quand sur Reddit, genre qu'il mange tranquillement sa pomme. Jolie la petite esquive de la tête. Ah, trop fort, trop fort. Bon, allez, on va essayer de travailler. On va essayer, ouais. Allez, on y va. Ça, c'est ma canzone. Très pourri, très mort. Ah. Et je t'ai dit que j'ai un peu peur qu'il casse. Je flippe un peu qu'il casse. Et tu fais attention parce que ça va être la même punition qu'à Bergerac. Tu sais quand j'ai fait le prendre sur la gueule. Hop, top. Allez, travaille, fignon. Il a explosé. Parce que c'est le lierre qui le tient. Ah, bon, il est vide. Et ben mon adjudant. Dis donc, vilaine. Tu débites le fond? Oh, mais c'est bon, j'ai une tronçonneuse. Oui, mais t'as une tronçonneuse. Tronçonneuse, t'as quoi comme machine? Une 022? Et c'est quoi le numéro sur la machine? MS441. Putain, t'as une 440? Ouais. Ah ouais, bah, tu peux le couper. Hein. Mais je comprends pas pourquoi ils les ont laissés comme ça, parce que le plus dur a été fait, mais après. Celui-là, je vais reprendre avec toi. C'est pas une bonne adresse. Pourtant, les coupes étaient pas vilaines. Hein. Tu vois, l'entaille. Elle est propre, elle est au bon endroit. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fini. Hein. Parce que le plus dangereux était fait. Hein. Aussi, peut-être qu'il pouvait pas le tomber parce qu'il n'y avait aucun espace de. Voilà, c'était encore la forêt verte. De toute façon, il passe en morceaux, hein. Passe en un mètre. Hein. Tu mettais une corde là, tu coupais là, tu le tirais. Tu remettais une corde là, tu coupais par là, tu tirais là-bas. Et ainsi de suite en descendant, quoi. Et là, pareil. Tu vois pourquoi j'ai pas voulu monter plus haut? Alors, comme il a explosé au sol. Quand tu as un diamètre de 70 qui éclate comme ça, là.
il s'est cassé là. Et je suis attaché là, hein, trace de la corde là. Si j'attache là, je le casse en deux quoi. Est-ce que ça t'allait? C'était très bien. Parfait, nickel. Travail de pro. Merci, c'est gentil. Pile dans le poil. Ça c'est parce que je suis encore jeune. Pile dans l'axe. J'avais dit qu'il venait là. Et celui-là, j'avais dit qu'il venait là. Ouais. Bon, allez, voilà. Les grilles sont bien pourries. Le prochain, je pense qu'il est là. D'ici cet été. D'ici cet été? Oh oui. Parce que là, les enfants, comment t'expliquer que normalement... Ça fait une caverne. Normalement, je suis pas assez costaud pour faire ça. Voilà, il est bien fourri à l'intérieur. Oh mais il est encore plus pourri que je pensais. Ah ça. T'as vu l'ennemi de l'arbre? Regarde la fourmi. Bah si vous les voyez, les gens. La petite bébête, ça galope partout. Ah, il faut savoir. Hein. La fourmi, elle dort pas la nuit. Elle travaille, elle. Une fourmilière, c'est l'esclavage. Ils s'en foutent du corona. Pas de repos. Pas de repos pour les braves. Je pense que le prochain... Tu grimpes dedans, dans les tablettes? Ça va être chaud. Bah voilà. Prochain boulot. Tu chasses la fourmi? Oui, 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 oui. Oh là, oh là. Elle va grimper. Elle va faire tomber l'arbre. Tu me montres, elle est allez, ma fille. Pardon. Ah, t'as une belle niche, hein. Oh, ça, c'est une belle niche. C'est bien, ma fille. Oh, bien travaillé, hein. Oh, oui, alors. Oh, il travaille, ce sien. Oui, oh, oui. Poser ce qu'il ne faut pas être posé. Les copains l'appellent la foreuse. Ah, il n'est pas fifou, celui-là. De toute façon, avec nous, à force, il n'y a plus rien. Dans les jardins. C'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que ben, celui-là il est pourri. Après là, celui-là ils ont coupé les racines. Ça il faut pas le faire, tu vois. Faut jamais le faire, ça. Planter une tronçonneuse dans la terre, il faut être con quand même. Pourquoi ils ont coupé la racine? Ça sert à rien, elle y est encore en plus. Donc je vois pas l'intérêt de couper la racine, quoi. Le problème c'est que tu vois, on a l'impression qu'il se lève, quoi. Parce que normalement la coupe est pas aussi large. C'est la taille d'une chaîne, mais c'est pas un doigt, tu vois. Alors, ça c'est stupide d'avoir fait ça. C'est ni fait ni à faire, ça, tu vois. Là-bas c'est pareil. Ça c'est une coupe tronçonneuse, tu vois. Quel est l'intérêt de planter la tronçonneuse dans la terre? Tu enlèves toute une partie de son maintien, quoi. Je capte pas trop là, mais bon. Là c'est pareil. Ils l'ont coupé, ils l'ont cassé en deux. Je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Je vois pas le résultat qu'il peut y avoir à part me faire crever tout un côté de l'arbre et ouvrir l'arbre aux insectes, quoi, tu vois. Je vois pas. Je capte pas là. Voilà, ils sont du bon côté. Ils sont pas chez Veolia. Pas de problème avec eux. Ouais, bah après, c'était du béton manché, c'est solide. Bon, voilà les gens, allez, on vous laisse. On va faire comme dans l'infanterie. On se tire ailleurs. Comme les Sénégalais. Les Sénégalais. Sénégalais. Tire ailleurs, Sénégalais. Oh, monsieur, j'ai deux mots, Ramucho. Donc voilà, ben, on reviendra pour celui-là. Parce qu'on va éviter de lui en mettre une pleine pelouse. Voilà. Le stocker en plus. Voilà, et on va lui laisser le temps tranquille de le fendre, voilà. De le couper, de le débiter. Et puis on reviendra, on fera celui-là. Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Et puis nous, on s'en va. Ciao à tous. Ciao. Ciao les gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens.